Après la tentative de création d'une fusée européenne avec le programme Europa, l'ESA est créée en 1975 dans le but de mettre au point et de pérenniser un nouveau programme de lanceurs européens devant permettre un accès indépendant à l'espace à ces derniers. C'est ainsi que fut créé le programme Ariane, avec la première représentante de sa famille, Ariane 1. En 1973, les anciens pays du programme Europa et quelques nouveaux décident de renouveler l'expérience Europa, mais en réglant les différents problèmes qu'avait ce dernier, et en se fixant de réels objectifs financiers et scientifiques. C'est pour organiser ces différents objectifs qu'est créée l'Agence spatiale européenne, l'ESA, la troisième agence créée dans le monde, après la NASA et Roscosmos. Même si c'est un peu plus compliqué pour la Russie, on en reparlera peut-être une autre fois. L'ESA regroupait alors 11 pays, la Suède, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, la France et l'Irlande. Dans un premier temps, il est envisagé de reprendre le projet du lanceur Europa 3, mais le coût des études s'est avéré trop ambitieux et coûteux. Le lanceur Europa 3 en projet a donc été simplifié et a disparu sous l'appellation L3S, pour lanceurs de troisième génération de substitution. Les efforts de l'ESA, et surtout ceux de la France et de l'Allemagne, se concentrent donc alors sur ce nouveau lanceur. C'est le 21 septembre 1973 que l'accord est signé entre les pays membres, supprimant officiellement Europa 3 et officialisant le projet L3S. A l'époque, ce projet était assez différent des autres. Ici, ce lanceur est directement conçu pour le lancement de satellites militaires et commerciaux, alors que les lanceurs russes et américains sont généralement des missiles balistiques adaptés au lancement de satellites. Le développement de la L3S était donc le test crucial pour l'ESA, qui devait prouver qu'une agence provenant de la collaboration entre pays était capable de faire voler des fusées fiables. D'ailleurs, selon de nombreux ingénieurs, le projet L3S était l'un des plus importants et complexes projets d'ingénierie européen du XXe siècle. Il devait en effet prouver au monde entier que l'Europe était capable de devenir une puissance spatiale. De nombreuses entreprises participèrent au projet, comme le français Aérospatial, qui deviendrait Airbus, Matra, le suédois Volvo, l'anglais British Aerospace et l'allemand Flugzeugwerke. Très vite, on s'est rendu compte que l'appellation L3S n'était pas très vendeur. Il fut donc proposé de renommer ce lanceur. Suite à un concours lancé par l'ESA à ses ingénieurs, plusieurs noms furent retenus, comme Phoenix, Lyre, Ganymède ou Vega. Nom qui fut d'ailleurs réutilisé 40 ans plus tard pour désigner le lanceur du même nom. Mais finalement, Jean Charbonnel, ministre de la Recherche français, décide de nommer ce lanceur Ariane. On ne sait pas vraiment ce qui a motivé ce choix, peut-être une référence au fil d'Ariane, avec l'Europe qui arrive à sortir du labyrinthe des échecs répétés d'Europa, qui sait. Au milieu de l'année 1974, les ingénieurs travaillant sur le projet eurent une belle frayeur. Le projet Ariane a été suspendu. En raison des coûts trop importants, le projet dépassait déjà le milliard d'euros dépensé. Mais heureusement, grâce à une plus grande participation financière de l'Agence spatiale française, le CNES, le projet reprit. Le développement du troisième étage fut crucial. En effet, la propulsion était assurée par un mélange oxygène-liquide-hydrogène-liquide. Et seuls quelques lanceurs américains étaient équipés de ce type de propulsion pour leurs étages supérieurs. D'ailleurs, ce sera ce qui causera son deuxième échec lors de son cinquième vol, mais nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. En 1977, c'est enfin bon. Les préparatifs et les essais ont démarré en prévision du premier tir d'une Ariane 1. Certains problèmes furent détectés, mais n'entraînèrent aucun retard significatif.
Il fut alors décidé qu'il y aura 4 vols de développement avant de commencer les vols commerciaux. Mais l'ESA choisit de laisser aux entreprises le soin d'acheter la place libre sous la coiffe pour leurs satellites. Mais sans toutefois promettre la réussite de la mission, ce qui étonnamment marcha. Le premier et le troisième étage de la première Ariane 1 sont assemblés en France et le deuxième en Allemagne. Lorsque toutes ces pièces furent arrivées au Mureau, près de Paris, on les transpéra sur des barges jusqu'au Havre, avant qu'elles débutent leur premier voyage vers Kourou en bateau, où leur pas de tir ELA-1 d'Europa 2 a été réaménagé pour l'occasion. Après quelques jours de voyage, la toute première représentante de la famille Ariane arrive enfin en Amérique du Sud, où elle sera transférée dans son bâtiment d'assemblage final. C'est ici qu'Ariane 1 rencontrera pour la première fois sa charge utile, un satellite expérimental italien nommé CAT, qui fut intégré au lanceur en salle blanche. Après 2 tentatives de lancement toutes avortées, ça y est, Ariane 1 se dresse enfin sur son pas de tir, prête pour son premier vol. On est le 24 décembre 79, et pour les ingénieurs de l'ESA, il n'y a pas plus beau cadeau que de voir voler pour la première fois cet immense véhicule pour l'espace. Et ainsi, par la même occasion, de prouver à tous les sceptiques de ce programme, doutant de sa rentabilité face à la future navette spatiale américaine, que les pays d'Europe sont capables de coopérer pour créer tous ensemble un lanceur pouvant assurer la mise en orbite de satellites. Mais elle a un avenir, ça c'est sûr. Intelsat a choisi l'ESA pour lancer sa constellation, assurant donc au minimum 3 vols supplémentaires d'Ariane 1. Enfin, on entend les 4 moteurs Viking du premier étage vrombir, activés à distance par Valéry Giscard d'Estaing en personne. La fusée décolla, montant en altitude, séparant ses étages un par un, avant d'enfin libérer le satellite CAT sur la bonne orbite. Ce lancement marqua pour la première fois la fin du monopole américain sur le lancement de satellites commerciaux. Désormais, elle va devoir partager avec les Européens. Mais les USA ne sont pas prêteurs, et tentent d'affirmer leur place de leader sur ce marché. C'est pour renchérir à cela que l'ESA fondera Ariane Espace, moins de 2 mois après le premier lancement. Entreprise qui sera en quelque sorte la vitrine du savoir-faire nouvellement acquis des Européens, et ce, jusqu'aujourd'hui. Les lancements commerciaux d'Ariane 1 se succéderont à un rythme régulier de 2 par an environ, jusqu'en 1984, date à laquelle la première évolution d'Ariane 1 fit son entrée, Ariane 3. Oui oui, Ariane 3 volait avant Ariane 2, mais on reparlera de ça dans la prochaine vidéo. Par la suite, les vols d'Ariane 1 s'espaceront, étant remplacés peu à peu par Ariane 2 et 3. Ariane 1 connut 2 échecs, le premier en 1980 lors du deuxième vol, à cause d'une instabilité de combustion des moteurs du premier étage, le deuxième en 1982 lors du cinquième vol, et d'ailleurs le premier vol commercial, à cause d'un dysfonctionnement de la turbopompe d'un des moteurs du troisième étage. Le vol le plus marquant était très certainement le 10e, qui décolla le 2 juillet 1985. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un vol tout ce qu'il y a de plus banal. Mais si on regarde la charge utile, on se rend compte qu'il s'agit de l'une des plus grandes sondes de l'histoire de l'ESA, qui s'est approchée plus près que n'importe quelle autre sonde envoyée au même endroit. Et cet endroit, c'est la fameuse comète de Halley, dont elle s'approchera au plus bas à 596 km de la surface. Giotto, c'est son nom, sera la première réelle mission scientifique européenne lancée par une fusée européenne. Le dernier lancement d'Ariane 1 eut lieu le 22 février 1986, en emportant les satellites Spot 1 et Viking. À ce moment, les lanceurs Ariane 1, 2 et 3 font partie des lanceurs les plus importants sur le marché de lancement commerciaux mondial. Il fut néanmoins décidé d'arrêter de lancer Ariane 1, car les satellites deviennent de plus en plus gros et lourds. Or, Ariane 2 et 3 sont bien plus puissantes qu'Ariane 1, et disposent de technologies plus modernes que cette dernière. Ariane 1 aura permis de nombreuses choses. Premièrement, elle a posé les bases de l'Europe spatiale d'aujourd'hui. Par exemple, pour l'anecdote, les premiers lancements d'Ariane étaient appelés L1 ou L2, etc. Cela fut changé pour la mission qui devait être L9. Désormais, et jusqu'à aujourd'hui, on dénomme les missions VA,
L9 devient donc la mission VA-09. Mais surtout, elle tint son objectif de permettre un accès totalement indépendant à l'espace aux Européens. Et en plus, elle permet à l'ESA de se placer parmi les plus grandes agences spatiales au monde. Et comme nous le verrons, dans l'industrie et le marché du spatial, il y a eu un avant et un après Ariane. Pour avoir un autre point de vue sur le sujet, je vous conseille la vidéo qu'a fait Stardust sur les fusées françaises, toujours, partie 3 cette fois. Et si la mission de Giotto vous intéresse, je vous conseille le dessin animé qu'a fait l'ESA sur la mission Rosetta. Dedans, il parle pendant 4-5 minutes de Giotto. Et en plus, les dessins sont vraiment trop mignons. Moi, je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines, où on parlera d'Ariane 2 et 3.